Et salut tout le monde, c'est Capi, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour la 11e quête du Dofus Emerald. Donc aujourd'hui il va s'agir de la quête Pandala son auberge. Donc c'est une toute petite quête, donc je risque d'en faire une ou deux une à la suite de l'autre comme j'ai fait hier. Donc dans un premier temps, hier on était arrivé après la 10e quête, on était arrivé ici devant le maître Aquadala. Donc suffit de lui reparler. Bien merci, voilà, il nous lance la quête Pandala son auberge et il nous demande d'aller voir Plumaya la marchande. On doit reparler aux gardes pour qu'ils nous remettent dehors. Et on va aller. Oh, tant que j'y pense. Attendez, attendez. Je devais nourrir la petite pioute. Elle est où? Elle est ici. Ça bouffe beaucoup ces choses-là. Hein. Alors, puis passe à... Ah oui, donc on peut remettre un repas. On remonte sur la DD. Je devais aussi nourrir le chapeau, il me semble. Ouais, voilà, nourrir. Voilà, il a leur niveau 17, c'est une coiffe de prêtre. C'est pas très beau. Je vais laisser ma coiffe comme ça, j'aime bien. Donc Plumawa, elle est là-bas. Oui, parce qu'on a été téléporté par le garde, donc au niveau de la carte, on est un peu perdu là d'un coup. En tout cas, ça a l'air de vous plaire, hein. J'ai vu les retours hier, à part le trou de balle qui s'amuse à mettre un pouce rouge sur toutes les vidéos avant même qu'il y ait une seule vue. Enfin, je comprends pas trop comment il fait le gars, mais enfin, soit. Donc, Plumawa, la marchande, elle est ici. Écoutez la suite, accepter, et voilà. Pandala son auberge est terminée et on lance Pandala ses villages. Donc c'est la quête suivante. Donc je vais couper ici et je vous reprends directement derrière pour essayer de faire Pandala ses villages. Allez, à tout de suite.